L'ange numéro 47, Azalia. Il régit du 13 au 17 novembre. Il est l'ange de la contemplation. Il nous aide à développer une vision globale de notre vie, à garder un point de vue élevé en toutes circonstances pour comprendre que chaque situation du quotidien est là pour nous faire évoluer. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Contemplation. Glorification du divin, expérience mystique. Perspective globale, vision d'ensemble. Contemple d'un point de vue élevé. Synthétise facilement l'information. Initié, faculté supranormale. Pédagogue, instructeur, enseignant. Psychologue. Trouve la vérité dans les petites choses au quotidien. Révélation des processus cosmiques. Génie créateur, stratège, talent de planificateur. Intuitif, équilibré, rayonne par le discernement et l'intégrité. Grand intérêt pour l'ésotérisme. Faculté d'accéder au monde parallèle, d'entrer en contact avec leurs habitants ou avec des personnes décédées. Aptitude à atteindre de hauts niveaux spirituels par la méditation et la visualisation. Développement du pouvoir mental et de la faculté de concentration et de focalisation grâce à la récitation de mantras. Compréhension de l'importance de vivre la fusion des deux polarités et la sexualité avec une conscience spirituelle et le sens du sacré. Plaisir divin, pureté de l'intention, haute moralité, valeur authentique et véritable, respect et fidélité au sein du couple. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Manque de vision globale ou tendance à se perdre dans des structures mentales et des concepts abstraits, déconnexion de la réalité concrète. Philosophie matérialiste,
focalisation excessive sur les besoins primaires, problème d'ego. Insécurité, soucis, troubles intérieurs. Action immorale et scandaleuse. Vérité inversée, malhonnêteté, charlatan, faux professeur, fausse croyance, enseignement de systèmes erronés et dangereux, admiration aveugle, idolâtrie. Dissèque et analyse de façon exagérée. Mensonge, erreur d'appréciation, ignorance. S'attribue l'incarnation de personnages illustres. Abus et gaspillage sexuel. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Éducation. Enseignant. Enseigner. Perspicacité. Douce pensée angélique.